Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un donjon que je n'avais jamais fait sur Dofus 1.29. C'est le donjon Razboul. Ouais, alors effectivement je l'avais déjà fait au level, enfin je veux dire sur la version 2.0, mais sur cette version je ne l'avais jamais fait. Donc bah c'est parti, je commente en direct, hein, même si on pourrait penser que je suis en différé, mais non pas du tout les gars, je suis en direct. Je mets la pierre d'âme puissance 500 sur mon Xelor car c'est lui qui capture. D'ailleurs on va vraiment le mettre safe, le Xelor on met le plus loin possible. Pareil, on essaie vraiment d'aller le plus loin possible de tout simplement du Razboul. On peut voir que le placement est quand même assez chaud. Sinon j'ai oublié aucune classe normalement, tac, j'ai un petit peu peur des fois quand je lance, mais ça devrait le faire. Oh, j'ai cru que j'avais mystique, bah non, j'ai borné et je sais pas si je le gère, borné. Ça craint. Borné, c'est éclaté. Et main pro, bon, bah, c'est un no-shall. Hein. Ça, c'est pas possible de le gérer avec ma team. Allez, merci Lozamoda hein, pour le shall main propre. Je crois que je vais faire du no-shall, les amis. Parce que borné, je sais pas si je le gère. En vrai, je pense que je le gère. Mais du coup, je fais quoi avec les nus? C'est ça le problème, c'est que je sais pas quoi faire. Ou au pire, je vais faire ouais, juste cupidité. En vrai, je vais tester borné. Mais ça veut dire que mon Xelor, bah, vu que je capture, je pourrais pas jouer mon Xelor. En vrai, borné, c'est un châle éclaté pour un Razboul. Mon dieu, j'ai pas de chance. Mon panda, bah, je sais même pas quoi faire. Hein, pareil pour le panda. Au pire, je fais du no-châle, hein, tant pis. Hein. Je pense que je vais faire du no-châle. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En vrai, non, si, je pense que je peux le gérer, je sais pas. Ouais, non, non, il fallait laisser tomber. Borné, main propre, ok. MDR, super. Hein. C'est super. Non, je vais pas faire de châle et puis c'est tout. Hein. Pas se prendre la tête. Je me tape deux châles éclatés, mais vraiment éclatés, quoi. Donc, tant pis. Bon. C'est parti. Bon, je vais essayer de regrouper mes persos parce que c'est vrai que... ouais, économe sur le Minotaur. Bon. Voilà. Bon, sinon les gars, alors, à ce qui paraît, comme je dis, je l'ai jamais fait sur Dofus 1.29, mais à ce qui paraît, Razboul, c'est sa pex monstrueux. C'est vrai que mon niveau de groupe est 917. Et d'ailleurs, les gars, vous allez tester avec moi le stuff de Nitrof, panneau AA. Donc je suis trop content de tester ce stuff avec vous. Non, mais borné, à la limite, borné en arène, pourquoi pas, mais là, franchement, il y a encore même en arène, parce qu'en fait, s'il faut savoir, ouais, non, en vrai, ça aurait été trop compliqué, hein. Parce que les gars, regardez, borné, ça veut dire qu'en plus, j'aurais dû retirer des PA au boss, quoi, ça aurait été quand même assez complexe. Bon, on essaie de tuer l'équilibriste le plus vite possible, parce que comme vous le savez, l'équilibriste font passer votre tour. On donne quelques petits PA, et j'essaie vraiment de regrouper les persos. Monozamoda, pourquoi? Ouais, en vrai, j'ai même pas envie de le... J'ai plutôt envie de, pourquoi pas, de tuer le Mufafa. Je crois qu'il fait quelques dégâts. Puis voilà. Ouais, d'ailleurs, mon ennemi, mon initiative est assez mauvaise. Parce que mon ennemi doit pas commencer en premier. Il faut que je lui fasse manger des Pandrista. Par contre, on m'a kické ma portée. Regardez les dégâts de l'ennemi, quoi. Ça fait trop plaisir. 340 à la pelle massacrante. En tout cas, voilà les gars, je suis trop content. Franchement, c'est mon premier donjon Razboul et je me suis dit, oh, je vais filmer ça. Mais ça, franchement, les gars, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Hein. Quand j'ai eu les quelques clés, je me suis dit, allez, je vais vous filmer ça. Faut savoir que la pierre, elle vaut hyper cher en plus. Hein. Bon, j'ai mis puissance 500, ouais, c'est nickel. Je me suis pas fail. Je prends quelques dégâts. Franchement, le donjon pex pas trop, mais a priori, c'est le boss qui pex beaucoup. Donc, moi, les amis, on va voir ça en direct. Hein. Allez, là, je suis en train de regrouper mes persos, les gars. C'est super important pour le don de PA, par exemple. Et puis pour les boosts aussi en zone, hein, parce que là, les gars, je vais devoir booster en zone avec mon Noza, parce que je l'ai pas encore fait. Mais en vrai, au moment où je vais booster, le combat sera déjà fini, limite. Mais Razboul, je le kiffe trop, franchement. C'est un donjon que j'adore, j'ai adoré faire sur 2.0. Mais sur 1.29, franchement, je ne pensais pas qu'il pexait autant, quoi. Enfin, de ce qu'on m'a dit, là, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, mais...
je suis pas du tout boosté. C'est vrai que j'aime pas booster mes persos quand je suis pas avec tous mes persos en fait, tout simplement. Allez, le petit soin. On va taper. Alors lui, il a des faiblesses R. Lui aussi. En plus, regardez, j'ai des tacles. Avec mon osage, je me plaçais parfaitement. Je vais même me contre sur le Xelor, j'ai vraiment pas envie de... Oh bah j'ai gagné un PA, ok. J'ai pas envie de mourir sur le Xelor, donc forcément je me contre. Là par contre, je crois que je ne détacle pas. Je crois que je ne détacle... Ouais, non mais ça, oui. Les aléas de Dofus. Je me fais tacler par un vieux truc, quoi. Un rasboule minaire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Faudrait juste que je les tue, quoi. C'est vrai que mon Enu, oh la vache. Attendez, je peux lui retirer des PM à lui, ouais. Ok. Ouais, faiblesse haut. On va tuer ce con. Mais ils ont tous des faiblesses haut, quoi. Bah ouais, ils ont tous des faiblesses haut. Normalement, sur 2.0, c'est des faiblesses aléatoires. Est-ce que c'est pareil ici? Je ne sais pas. Je suis assez mal placé, on va pas se mentir, là. En plus, j'ai même pas pu booster. Ah, ça me fout le démon, les gars, quand je peux pas booster mes persos en zone. Ça, je le fais tout le temps. Surtout T1, j'essaie de faire le plus vite possible. Parce qu'en fait, une fois que mes persos sont boostés, les gars, je suis à 16 PA. Donc 16 PA sur les deux cras, 16 PA sur le Yop, 16 PA sur l'Eni, généralement. Mais voilà, généralement, je suis tranquille. Mais là, les gars, je suis pas tranquille, je déteste ça. Ne pas être boosté comme ça, c'est limite, ça me stresse, en fait. Façon de parler, hein. Mais... Du coup, je vais me replacer pour... être boosté, bah cette fois-ci au pire il y aura Yop, ouais si c'est parfait. Ah bah non. Ok bon bah. Rasboul en a décidé autrement cet enfoiré. Il a décalé mon Oza. Après à la limite c'est pas grave. Ouais non en fait si c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je vais pouvoir décaler ici, voilà. Tant pis, il y aura pas le Yop. Ah, attendez, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, c'est bon. Mon Xel. Et là, les gars, le Zap peut booster. Enfin, purée, il a fallu attendre le T3 pour avoir une zone correcte. Mais j'adore le boost en zone. Parce que, en fait, si je booste... J'ai fait un crit, je crois. Ouais. Si je booste qu'un seul allié, les gars, ça n'a pas grand intérêt. Faut savoir que l'Oza est pour moi une des meilleures classes sur 1.29. Enfin, je veux dire, en tout cas, meilleure classe soutien, ça c'est sûr et certain. Corruption, je sais pas si je vais attendre avant de corrup. Je crois que le Rasboul, comme vous pouvez voir, en vrai, c'est un donjon bidon. C'est un donjon bidon. Je pense une team niveau 80 pourrait le gérer. Hein. Le Rasboul, je crois, une fois qu'il est en mode debuff, faiblesse feu et tout, je crois que c'est seulement à ce moment-là qu'il commence à faire des petits dégâts. Donc nous, ce qu'on va faire, je pense, on va quand même préparer le terrain. On va préparer le petit... le retrait PA, hein. Bah, c'est même maintenant, en fait. Hein. Alors, le retrait PA, flèche glacée. Donc en gros, le but, ça va être de full... voilà, donc il gagne des PA, il en perd. Quoique, attendez, faut pas qu'il lance un sort avant. Non, c'est bon, oui, c'est bon, il en gagne. Mais bon, mes crans ont pas mal de sagesse, donc ce qui fait que... Ce qui fait que je lui en kick plus en fait, mais... Non, c'est bon, regardez. Je crois que c'est à partir de... Je sais plus combien de PA. Je crois que c'est 16 PA. J'aimerais lui kicker encore un PA, s'il vous plaît. Eh bah, 16 PA. Mais je suis pas sûr, c'est peut-être 20 ou 22 ou 18, je sais plus. Ensuite, en fait, dès qu'il va lancer son sort... Bah, c'est bon. Par contre, là, il va commencer à taper. Là, faut faire gaffe. Je crois qu'il a lancé son sort. Oh lol, je crois que c'est ça. Donc là, à partir de maintenant, en fait, je crois qu'il faut taper feu, mais je suis pas sûr, on va essayer avec vous. Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Donc là, je pense qu'on va tuer ses invoques. Parce que je crois qu'il vient de donner du rock à ses invoques. C'est pas je crois, c'est sûr. Mais ses invoques ont tous des faiblesses haut, en fait. Bref, j'ai pas envie de mourir. J'ai surtout pas envie que mon Xel crève parce que c'est lui qui capture. Tac. Non, en tout cas c'est pas maintenant. Faut peut-être que je re-kick encore des PA.
Je vais tester avec le... En vrai, le coffre... Oh purée, je suis là. J'avais même pas vu que j'étais là. Avec mon énu. Oh là là. Je vais partir en mission commando. On va kicker des paires, on va voir ce que ça fait. Ouais bah il en gagne encore, hein. Je pense que... 21 paires, normalement ça suffit. Ah ! What ? Mais attendez les gars, il y a un bug d'affilée, mais moi je savais pas. Sinon j'aurais tapé feu depuis tout à l'heure, je savais pas, donc c'est bien son sort. Oh lolol. Regardez ça. Non mais j'avais pas vu les gars, mais il y a un bug d'affilée, regardez. Ça laisse le 200%. J'aurais dû vérifier son état, c'est de ma faute. Je crois que mon yop, j'aurais dû taper feu. Attendez, parce que je crois que là il tape fort. Ah, en plus sur mon Xelor. 300, il a tapé. Et normalement ça dure 2 tours, hein, son truc de... En fait là c'est simple, les gars, à chaque fois qu'on va taper le Rasboul, il va perdre des faiblesses. Mais je vais vérifier, mais normalement ça dure 2 tours. Attendez. Ah ouais. C'est bien ce que j'ai dit, c'est parfait. Du coup je vais full bourriner. Je vais lancer la capture maintenant parce que je crois qu'il va crever le prochain tour. M'en interdit à 400. C'est n'importe quoi. Oh là là, 500 m'en interdit, je kiffe trop ce donjon. C'est dommage que j'ai pas eu de mon châle. Hein. Mais bon, on verra bien nos châles, ça pèse combien. J'ai les sablés du Xélan, mais je vais peut-être faire rayon obscur. J'ai bien lancé la capture. Hein. Ouais. Est-ce que je vais le finir avec les crabes parce que... Ah bah si, ouais, je l'ai boosté, ouais. Mon Oza, en vrai, il pourrait faire tellement mal. 1000 avec Griffe Spectrale. Oh mon dieu. Je crois que mon panda, il va le one-shot avec le sort, là, je sais plus c'est quoi. Le coffre, le coffre. Si je fais un échec critique, ok, j'ai eu peur. Avec le panda, je pense que je vais le finir. Flasque. C'est n'importe quoi. Je kiffe trop. Capture d'âme. Allez, 800 points enflammés niveau 4. Hein. Oh, je kiffe trop. Bon bah voilà les amis. Nos châles malheureusement. Je pense que je prendrais, je sais pas, 1,5 million peut-être, je sais pas. Voilà, 1,5 million, nos châles. C'est vrai que c'est cheaté quand même. C'est cheaté, putain, mon dieu. Il a pris 1,8 million nos châles. Et la pierre hein, qui vaut 450 000 kama. Facilement en HDV, c'est assez... insane. J'ai pas droppé des trucs ultra rares, enfin je sais pas, je connais pas trop les prix sauf les Kilibris, je crois là, je sais plus quoi, là, les bâtonnets de Kilibris là qui valent assez cher, 30 000 U. Mais sinon voilà, franchement, nos châles, 1,7 million. Donc imaginez avec châles, franchement on peut monter à 5-6 millions, facile. 1,5 million à 1,7 million nos châles. Oh là là, si on a châle mystique, premier, même Blitzkrieg, hein, Blitzkrieg on le gère easy. Hein. Tiens, il y a une petite alliance fédérale qui s'est vendue. Mais en tout cas, ouais, franchement, ce donjon-là, on peut pex easy, quoi. En plus, on a parfait le level, hein, 917. On pourrait vraiment farmer le donjon. En tout cas, jusqu'au niveau 120, 130. Facile, facile. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Moi, du coup, je vais aller faire encore quelques donjons parce que j'ai encore 3 clés. Ah non, j'en ai encore 4, quoi. Bah, il a... pris mon trousseau tout à l'heure ou pas? 4x8, 32, ouais, j'ai bien 32 clés. Ah bah je crois que tout à l'heure il a pris mon trousseau. Je sais pas, c'était peut-être un bug. Bref, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite. Ciao! Bye bye, j'espère que vous avez kiffé ce petit donjon. 1,7 million nos châles, c'est n'importe quoi. Donc avec châles, les gars, on peut facilement monter 3, 4, 5, 6 millions en très peu de temps. Vous avez pu voir, c'était très rapide. La vidéo a duré à peine 10 minutes. Et encore, hein, j'ai pris mon temps dans le combat. Puis voilà. On se retrouve très vite, les amis. Ciao! Bye bye!